Et ça rejoint bien l'idée que j'ai du travail avec les acteurs, parce que c'est vrai que bon, on a tous au départ des clichés dans la tête. Moi, faisant un film avec uniquement des enfants, je m'étais dit on va beaucoup improviser, on va leur donner aucune contrainte trop lourde et on va essayer de faire le film comme ça sur la spontanéité. Et on s'est aperçu pratiquement au premier jour de tournage que plus c'était tous des gosses qui n'avaient jamais joué, plus je leur demandais des choses compliquées et précises, meilleurs ils étaient. Plus on répétait, meilleurs ils étaient. Et plus on travaillait, plus ils prenaient du plaisir à travailler, et meilleurs ils étaient. Et donc peu à peu, alors que j'avais dit le contraire à l'équipe pendant qu'on préparait, eh ben, on faisait des marques au sol extrêmement précises, on tournait en plan long et compliqué. Et ils ont découvert le bonheur d'être acteurs. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des acteurs professionnels, mais le temps du film, ça a été de vrais acteurs. Ils ont cherché, ils ont... Et moi, je me souviens quand on faisait, je ne sais pas, 15 prises, et que je disais, bon, là, ça y est, ils râlaient, en disant, non, on peut encore chercher, on peut encore trouver. Ils ont découvert que c'était un travail, une concentration, et moi, ça m'a passionné, ça m'a posé beaucoup de questions. Je crois que j'ai avec eux, en faisant ce film, énormément appris. Et vous savez, spontanéité, on s'est amusé à la fin du montage à regarder. Il n'y a pas une seule première prise qui soit montée dans le film. Alors qu'on pense toujours que la première prise va être celle où ils ont... Il n'y en a pas une qui soit montée dans le film. Et après, en y réfléchissant, moi je me souviens de ce que disait Renoir, qui disait que les premières prises, on va toujours vers le cliché de la scène. Et plus on travaille, plus on essaye d'aller vers quelque chose d'original, vers quelque chose de plus fort. Et donc j'ai eu ce sentiment avec cette bande de gosses qui m'ont énormément appris en tournant le film.